Donc, vous pouvez retrouver la présentation de ce soir à monurl.ca/webiecr21. Si vous voulez la réutiliser, les liens dont on va vous parler sont cliquables. Donc, on va se présenter. Moi, je suis Alexandre Chenette. J'enseigne l'éthique et culture religieuse depuis plus de 10 ans avec une option philo présentement à Saint-Hyacinthe. J'ai commencé à des patriotes justement à De Mortagne. Il y a belle lurette de ça, début de ma carrière. Donc, il y a 2 ans maintenant, j'ai rejoint l'équipe du récit développement de la personne pour le mandat, entre autres, ECR et citoyenneté à l'ère du numérique. Puis j'ai été rejoint par mes 2 super collègues co-animateurs aujourd'hui. Donc, je vous présente Julie April. Bonjour tout le monde, je suis enseignante en éthique et culture religieuse dans la région de Québec pour la commission scolaire de la capitale, centre de service, excusez-moi, toujours pas habituée. Et c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Ça fait seulement quelques mois que j'ai rejoint l'équipe du Récit, puis tout comme mon collègue Jérôme à qui je passe la parole. Bonjour, moi aussi en fait, c'est très récent, je me suis joint au Récit d'épée, là. Ça fait environ 2 mois. J'ai enseigné à Marie-Victorin, donc proche des Patriotes. Et je suis aussi enseignant en ECR. Puis aujourd'hui, on va présenter une petite formation sur l'évaluation. Vas-y, Alexandre. Yes. Dans le Récit, pour faire rapidement, dans le fond, on est rendu plus de 200 conseillers. Ça a vraiment grossi depuis que je suis là, il y a 2 ans. Dans le fond, on aide l'intégration du numérique en éducation. Là, il y a des récits locaux. Vous avez des récits pour chacun des CSS. Nous, on a un mandat national, dans le fond. Donc, le développement de la personne, on s'occupe d'ECR, d'EPS, éducation physique et la santé, citoyenneté à l'ère du numérique et éducation à la sexualité. Donc, gênez-vous pas de contacter votre récit local ou national pour de l'assistance avec le numérique en éducation. On produit des ressources aussi. Cette année, dans le fond, avec la folie qu'on a connue, on s'est retrouvé à produire plusieurs activités d'apprentissage autoportantes pour les parents, pour les profs, pour les élèves. Donc, pour aller voir, dans le fond, notre site de référence, nous autres, c'est ecr.rctp.qc.ca. Fait que tout ce qu'on produit est là. C'est vraiment, je pense, un truc à mettre dans les favoris pour les profs d'ECR, on a essayé de mettre les ressources les plus utiles possibles à cet endroit. Puis on a mis une section aussi communauté ECR pour qu'on puisse se discuter, échanger, partager. Donc, je vous invite à visiter notre site. Et en 2019, il y a le cadre de référence de la compétence numérique qui est sorti avec ses 12 dimensions. Donc, sachez que l'atelier de ce soir s'inscrit dans cette idée-là, dans le développement professionnel de cette compétence numérique. Donc, un petit plan de ce qu'on voulait faire avec vous ce soir. C'est assez convivial, on est en famille. On va parler un petit intro, un petit rappel d'évaluation en SCR parce que ça s'en vient vite, la grande évaluation. Donc, on va faire un petit retour là-dessus, les grands principes. Puis après ça, ce qu'on veut faire essentiellement, c'est vous donner nos coups de cœur, des applications qu'on a découvertes cette année, qu'on a utilisées puis qui ont bien fonctionné. Puis après ça, on aimerait ça qu'en un troisième temps, on vous ouvrez vos caméras, qu'on puisse discuter, puis vous nous disiez dans le fond qu'est-ce qui a marché pour vous, c'est quoi vos coups de cœur de l'année avec le numérique en éducation. Puis même ça peut être aussi les gros fails que vous avez faits, les trucs que vous avez essayé, puis ça n'a pas marché, qu'on sache, qu'on puisse apprendre de tout ça. Donc, gênez-vous pas, on est en famille. Donc, je vais laisser Jérôme parler de quelques principes généraux pour l'évaluation en ECR. C'est toujours bon de se le rappeler. Surtout, il y a beaucoup de gens aussi qui m'écrivaient qui commencent l'ECR cette année, dans le fond. Donc, peut-être que ça va être encore plus utile. Ouais, dans le fond, selon la politique du ministère de l'Éducation, il y a 2 grandes fonctions à l'évaluation. Tu sais, la première, c'est celle d'évaluation à l'apprentissage. Souvent, ce qu'on va appeler plus formatif. Puis finalement, la commande du ministère, c'est qu'il y a une portion du travail qu'on fait qui doit avoir une espèce de rôle diagnostique. C'est qu'il doit savoir nous aider à vérifier si on a compris. Puis par ces évaluations-là, on parle moins d'évaluations notées que d'évaluations qui vont nous permettre de savoir si on s'enligne vers le mur ou si nos élèves ils progressent au rythme auquel on s'attend d'eux. La deuxième, finalement, celle qui vous intéresse peut-être le plus à mesure que le bulletin approche, c'est la reconnaissance du développement de la compétence. Puis là où, finalement, nous, on vous amène à changer peut-être un petit peu de paradigme ou de vision de la chose pour certains, c'est que finalement, selon la politique du ministère, c'est une reconnaissance du développement de la compétence, donc ce n'est pas une moyenne. C'est vraiment essayer de prendre une photo du développement actuel de l'élève, de où il est rendu, puis à la fin, de se dire, est-ce qu'il est rendu
à ce quoi on s'attend, puis finalement d'évaluer en fonction de il est rendu où par rapport au développement qu'il est supposé faire. T'sais, puis une des choses que ça va changer comme vision, c'est que finalement, si un élève il n'a pas réussi à faire une réflexion éthique adéquate tout le long de l'année, mais qu'à la fin de l'année, il y a un moment donné, quelqu'un qui a écrit d'une manière différente puis il a compris, bien, selon la politique du ministère, bien, il aurait, là, il a développé la compétence. Donc, c'est vraiment supposé être une photo, surtout pour le bulletin final, là, du développement de sa compétence où il est rendu à la fin de l'année. Alexandre veut poursuivre. Oui, puis moi, j'ai trouvé ça que plus facile même d'être dans ce paradigme-là avec l'enseignement à distance que l'école virtuelle. Fait que quelques petits conseils, quelques petits trucs à. Je sais que moi, je l'ai fait à l'automne, en tout cas, de me recentrer puis de me reconcentrer puis de discuter avec mes collègues, là. Concertez-vous avec les gens de votre équipe. Commencez par y réfléchir par vous-même, là, mais soyez au clair sur c'est quoi un élève pleinement compétent en ECR. Vous pouvez prendre chacune de vos compétences puis vous assurer de comprendre, de savoir dans votre tête c'est quoi un élève qui serait compétent en ECR et surtout de l'expliciter aux élèves dès le départ. Parce que c'est peut-être ça qui, des fois, qui manque dans la discipline. Peut-être que vous le faites, puis c'est génial, mais j'ai remarqué que bien, je me rends compte que dans ma pratique, dans le fond, c'est quelque chose que j'aurais pu rendre encore plus explicite. Dans ma tête, c'était clair, c'est quoi un élève compétent en ECA, mettons, depuis un moment, mais de le dire tout de suite au départ, puis ça peut se faire maintenant, en fait, là, si ça peut déjà été fait, d'expliciter, bien là, regardez, justement, c'est une photo de fin d'année, c'est là, essentiellement, c'est on veut savoir si votre compétence est développée, vos compétences sont développées. Donc, d'expliciter ce qu'on attend d'eux, c'est vraiment nécessaire et important dans l'évaluation parce que tu ne peux pas, dans le fond, évaluer quelque chose qui n'a pas été explicitement énoncé et modélisé aussi. Donc, tu sais, leur dire ce qu'on attend d'eux puis leur montrer un exemple de ce que ça peut donner, c'est vraiment, vraiment important là, pour l'aspect d'évaluation. Puis, évidemment, l'évaluation, c'est complètement votre jugement professionnel. Là. Vous êtes complètement libre là-dedans, puis c'est le rôle de l'enseignant, de l'enseignante. Absolument. Puis, comme Jérôme disait, dans le fond, puisque c'est rendu une photo, puis c'est un développement, puis c'est un construit, puis nous autres, on le voyait, dans le fond, à chaque semaine, on leur ajoutait des étapes de la démarche de réflexion éthique, puis on construisait sur les gabarits les choses qu'on avait vues auparavant, mais la rétroaction est majeure. Et moi, je trouve que on s'entend qu'il n'y a rien de mieux que les avoir avec nous en classe, là, puis c'est la vie, puis c'est ce qu'on veut. Mais l'école virtuelle, le numérique, ça nous a permis quand même de nous donner plus de rétroactions, puis des rétroactions automatisées. C'est difficile des fois de donner. On se retrouve avec une pile de corrections infinie avec les heures qu'on a. Là. Puis dans la classe, on ne peut pas tout voir. Mais là, de les voir travailler directement pendant le cours, puis se promener entre leurs travaux, puis de leur donner des annotations, puis des commentaires, puis de leur parler directement, je ne sais pas vous, mais moi, je trouvais que pour la rétroaction, ça a été vraiment bénéfique. Mes collègues Marjorie Paradis puis Annie Turbide ont créé ce truc-là. On ne va pas l'explorer ensemble parce que c'est dense, il y a beaucoup de choses, mais je vous invite vraiment à le consulter. Il y a des exemples de tâches, de traces qu'on peut garder en ECR pour chacune des compétences. Ouvrez ça, dans le fond, au primaire, au secondaire, c'est vraiment riche. Là, si vous voulez un petit rappel ou l'inspiration, c'est vraiment un beau document. On vous a mis aussi les grilles d'évaluation à utiliser primaire, secondaire, directement sur le site que je vous parlais tout à l'heure, ecr.recdp.qc.ca. Dans le programme ECR, vous avez le référence, mais vous avez aussi les grilles d'évaluation. Nous, on a créé, justement, en école virtuelle à l'automne avec nos élèves, un site, un micro-site, réflexion.recdp.qc.ca. Donc, si vous voulez un endroit où est-ce que de référence à vos élèves à envoyer sur c'est quoi la démarche de réflexion éthique, puis s'y référer. Nous autres, on l'a construit dans le fond semaine en semaine pour chacune des étapes avec eux, puis on les faisait pratiquer. Puis après ça, il y avait toujours droit à ça, dans le fond, pour s'y référer. Puis donc, on voyait à quel point leurs compétences se développaient. Fait que c'est intéressant, fait qu'on le met à la disposition de tous. Évidemment, c'est libre de tout ce qu'on fait, c'est libre de droit, puis ça peut être modifié comme vous voulez, là, évidemment. Donc, c'est ça, on les a mis dans cet ordre-là, la démarche de réflexion éthique en soi. On a aussi mis accessible des gabarits de réflexion éthique, qu'il y en a qui sont plus pour le primaire, pour le secondaire. Donc, des fois, de l'avoir concrètement en ligne, comme ça, avec des cases, des questions, ça peut vraiment aider les élèves et les enseignants à savoir où on en est dans tout ça. Puis là, je ne les regarderai pas, mais c'est nos grilles qu'on avait dans Meet. On a fait les deux, dans le fond. Premier cycle,
C'est que l'on l'a fait avec Teams. Il y a beaucoup de CSS qui utilisent Teams, Microsoft Teams. Puis les 4-5, nos élèves de 4-5, on le faisait avec Meet. Fait que d'avoir comme ça des grilles, ça, les applications permettent de le faire, les plateformes. Puis vous pouvez clarifier pour l'élève. Ça n'a pas besoin d'être la même chose que vous évaluez puis ce qu'eux voient. Eux, ça peut être plus facile à comprendre. En fait, il faudrait que ce soit plus facile à comprendre. Nous autres, on abuse des emojis tout le temps. Fait que, on utilisait ça aussi pour... Fait que les choses étaient ish, oups. On avait adapté le vocabulaire pour les élèves. Puis, on remarquait que là, ils sont vraiment plus au clair avec qu'est-ce qui constitue une bonne réponse, entre guillemets, un développement de la compétence. Donc, voilà, un petit rappel sur l'évaluation numérique. Mais bref, ce qu'on voulait faire avec vous, c'est vous parler des coups de cœur en éducation numérique. Donc, je vais laisser Julie vous faire quelques petits rappels avec ça. Oui, on va vous parler beaucoup de numérique aujourd'hui, là, mais on voulait vous rappeler qu'il faut toujours se positionner par rapport à notre intention pédagogique et réfléchir en amont et se demander si c'est vraiment le meilleur moyen pour arriver vers l'objectif d'apprentissage. Des fois aussi, on n'a pas le choix étant donné la situation là, à distance. Il faut aussi réfléchir à l'investissement de temps, d'énergie, de ressources. On sait tous que les ressources numériques ne sont pas toujours accessibles si facilement dans les écoles. Donc, est-ce que ça vaut la peine de déplacer 30 iPads, de réserver tout ça si on a une petite activité de 5 minutes à faire, que le temps de connexion nous demande finalement 20 minutes de notre cours. Donc, c'est à penser. Puis aussi à réfléchir à l'impact de l'approche sur les élèves. Si on utilise plusieurs applications différentes dans un cours, un peu comme on va faire avec vous aujourd'hui, là, on va vous montrer plein d'affaires, vous garochez un bord puis de l'autre, les élèves seraient perdus, ce serait normal. Peut-être que certains d'entre vous vont être perdus aussi, c'est correct, mais il faut quand même le penser là, que si nos élèves ne sont pas habitués avec ces applications-là, bien, il y a un temps d'appropriation qui est nécessaire. D'ailleurs, si vous me voyez naviguer un petit peu tout à l'heure, là, j'étais sur le groupe Facebook, il y en a plusieurs qui cherchaient à comment se connecter. Donc, on voit bien l'impact de l'approche présentement. Y a-t-il réussi à trouver le chemin? Ben, je suis en train de régler ça. D'en ramener au bercail. Merci. Voilà, donc je commence en vous parlant de Kialo Edu. Kialo, c'est une application que je ne connaissais pas, une plateforme qui est construite pour le débat, pour l'échange d'idées, pour enseigner l'esprit critique. Donc, c'est clair que pour ECR, c'est un coup de circuit. En fait, c'est un collègue, un prof que vous connaissez peut-être, Sylvain Fournier, qui était à la tête de la QECA pendant très longtemps, qui m'a dit hey, « Tu connais-tu Kialo? Je l'ai fait avec les élèves, ça va bien. » Parce que lui, il y avait une activité de débat, puis là, on s'est retrouvé en apprentissage à distance, il cherchait une alternative. Fait qu'il m'en a parlé vraiment long et en large. Et je suis allé voir, puis c'est vraiment hot pour vrai. Donc, c'est une plateforme qui permet d'ajouter des pour et des contre. En fond, tu peux avoir deux positions sur un débat. Ce qui est vraiment cool, c'est que tu peux aller ajouter les arguments, chaque personne peut alimenter. Fait que quand il y a un débat dans la classe, c'est vraiment intéressant, ils se préparent et tout, mais là, ça leur permet de réfléchir davantage à leur argumentaire et de, c'est ça qui est riche, je trouve, d'aller lire les arguments des autres puis d'amener d'autres arguments, puis ça fait une discussion comme ça. C'est comme un... Bien, ça peut ressembler un peu à un réseau social, mais c'est vraiment pensé pour ça. Puis les deux positions, puis on voit quel côté la balance penche d'une certaine façon. Donc, tu sais, vous pouvez cliquer ici, c'est la présentation, là, un bref aperçu de ce que ça peut avoir l'air. En fait, je ne sais pas si vous voyez encore, ça a-tu basculé? On voit Edu. On voit ce que ça a l'air le site. Donc, les pour et les contre, les activités, mettons le projet de loi 21, par exemple, ici. Puis ça s'alimente, puis ça grossit, puis ça devient vraiment le fun. Fait que ça se conjugue très bien avec Teams puis Meet. Vous pouvez les faire. Ce qu'il faisait, dans le fond, lui, c'est que sur la plateforme, il y avait les échanges, il y avait les questions, les arguments. Puis après ça, il faisait des sous-équipes dans, je pense qu'il était sur Teams. Fait qu'après ça, il pouvait aller, lui, écouter les discussions entre eux, entre équipes. Fait qu'il créait ses sous-équipes. Donc, de toute façon, vous allez pouvoir l'utiliser de la façon qui vous convient et qui vous allume pour ça. Mais vraiment, là, Kialo, c'est un coup de cœur d'un enseignant qui l'a fait, qui l'a testé. Là, avec les applications. C'est souvent ça, les applications aussi, il y en a un paquet. On en essaie des choses, on dit « Ah oui, ça a du potentiel et tout », mais il n'y a rien, c'est pour ça que vous êtes là ce soir aussi, il n'y a rien comme quelque chose qui a été testé et qui a été vécu dans la classe et que ça a fonctionné. Là. C'est pour ça qu'il y a des coups de cœur ce soir. Un autre coup de cœur, c'est Edpuzzle.
Oui, puis pour faire un petit coup de pouce sur Kialo, là, si vous voulez le tester, vous pouvez y aller. Il y a comme une option où vous pouvez faire des débats avec des inconnus dans le monde, puis vous amuser à partager et à développer vos arguments. Donc, si vous voulez le tester vous-même avant de le tester en classe, c'est très possible. Puis, on va passer maintenant à Edpuzzle. Je ne sais pas si vous connaissez déjà. C'est quand même connu comme application. Pouvez-vous écrire dans le chat si c'est quelque chose que vous connaissez ou non? C'est une application qui permet d'utiliser des vidéos, notamment de YouTube, et d'ajouter des questions. La vidéo arrête à certains moments que vous avez déterminés. Et on peut ajouter des questions. Ça permet aussi de voir en direct l'avancement des élèves. Je pense qu'il y en a plusieurs qui connaissent. Ceux qui connaissent, vous pourrez peut-être partager là, si c'est quelque chose que vous utilisez, si vous trouvez que c'est une belle découverte que vous avez faite. Mais ça peut être vraiment pratique. Surtout en enseignement à distance, même quand on a une petite vidéo de 5 minutes plutôt que de l'écouter en grand groupe, bien, on peut partager le lien aux élèves. Ça se partage super bien. Oui, les élèves doivent se connecter si vous voulez suivre leur progression. Il y a aussi une option sans connexion possible où vous n'avez pas besoin là, de demander une connexion aux élèves, mais là, vous n'avez pas le résultat non plus, vous n'avez pas la progression. D'un point de vue évaluation, c'est peut-être pas le meilleur moyen pour évaluer des compétences, mais c'est un bon moyen pour visionner en fait une vidéo en amont là, d'une évaluation pour après ça faire une réflexion éthique, s'assurer que ça a été bien vu. Puis il y a aussi un mode Go Live si on veut utiliser l'outil en classe, en grand groupe. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi des fois, mes repères dans mes vidéos, j'aime ça arrêter à certains moments, tu sais, puis avoir des questions à poser. Mais quand je suis en classe, j'oublie c'est quand je voulais arrêter ou je ne sais plus trop quand. Fait que souvent, je parle de puzzle, puis on arrête, ça arrête automatiquement, puis ça pose ma question. Fait que ça m'aide dans mon animation, là, même quand je suis en classe. Le lien, est-ce que, Jérôme, tu voudrais le partager, le lien du Edpuzzle, pour faire un petit exemple? Est-ce que tu l'avais proche? Sinon, je ne l'ai pas très loin. C'est fait? Et je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans le chat. Ou sinon, à regarder l'écran d'Alexandre. Et vous avez un petit aperçu, là, une vidéo avec des petits points qui ont été ajoutés. Les petits points, ça représente mes questions, mais ça peut être des questions en choix de réponse, des questions ouvertes. Des questions ou des commentaires aussi que vous émettez. C'est même possible d'enregistrer par-dessus la vidéo pour donner des explications avec notre voix. Puis, si tu veux l'arrêter, Alexandre, je peux partager mon écran pour vous montrer un peu qu'est-ce que l'enseignant voit de son côté. Donc, si certains d'entre vous ont cliqué sur le lien, bien, ça va me permettre d'avoir des élèves, de voir votre progression. On peut ajouter des vidéos là, en allant par exemple sur YouTube, on les ajoute directement. On peut reprendre les vidéos que d'autres enseignants ont créées. Il y en a vraiment beaucoup qui ont été créées, là, notamment en univers social. Si vous enseignez les deux matières comme moi, les vidéos d'AlloProf se retrouvent pratiquement déjà tous sur Edpuzzle avec des questions déjà de fait. Ça sauve un temps fou. Dans ce cas-ci, comme enseignante, ce que je vois, c'est ça ici. Je peux assigner à ma classe, je vais essayer de tasser vos visages. je peux assigner à ma classe le travail. Puis une fois que c'est assigné, je vais pouvoir aller consulter dans mes classes les résultats des élèves. Donc là, il n'y a personne d'entre vous qui a fait le travail, à ce que je vois. Mais quand on est en ligne, on peut vraiment voir l'avancement des élèves. Ça peut être intéressant. Puis ça donne aussi, au final, une note. Mais comme je le disais, ce n'est pas nécessairement une note qui représente les compétences, mais ça permet de voir le degré de compréhension et d'investissement des élèves, par contre. Donc là, ce serait plus dans la... Quand il montrait les deux styles, les deux buts de l'évaluation, dans le fond, mais le support à l'apprentissage, là, ça pourrait être intéressant. Ben, tu peux continuer à partager, en fait. Quand on... Tu veux que je partage le slide? Non, mais ton écran ou Jérôme? Ben, moi, j'avais fait un petit peu le tour d'être puzzle de ce que je voulais faire, mais tu peux repartager le Google Slide. Il y a une main levée. Oui, Alain. Ah, oui, vas-y, Alain. Ouais, ben, ce que je viens de voir, c'est que ça nécessite que chaque élève aille s'inscrire sur ce site-là, c'est ça, je comprends?
pour pouvoir avoir la classe là, de tout. C'est ce bout-là là, qui m'échappe un peu. Là. Oui, ben en fait, quand on partage le lien, ça va demander à l'élève de se connecter. Donc, il va se connecter avec son adresse courriel de l'école. Puis, okay. ça va lui créer un compte et il va avoir accès aux vidéos. C'est vraiment assez simple, même des élèves ou qui. Donc, moi, on peut leur demander d'utiliser le même courriel de l'école. Oui, exactement. Puis, il y a l'option sans connexion, parce que je l'ai aussi utilisé en classe d'accueil. Puis là, la connexion, c'était plus difficile, tout ça. Fait que pour éviter une étape, là, des embûches, j'avais juste partagé un lien. L'option sans connexion, donc je ne pouvais pas voir qui le faisait par contre, mais l'accès était plus facile. Mais sinon, l'option avec connexion, ça se fait assez bien là. La prochaine chose que je vais vous montrer, c'était Insert Learning. Oh, un beau petit gif, Alexandre, que tu as ajouté. Merci beaucoup. Insert Learning, dans le fond, c'est une extension de Google Chrome. C'est important de le mentionner parce qu'il faut utiliser le navigateur Google Chrome pour pouvoir le faire. Mais ça s'utilise sur n'importe quel type d'ordinateur ou peu importe si vous avez Teams ou Google Classroom, vous pouvez avoir Google Chrome. Par contre, l'extension, ce n'est pas tous les centres de services qui permettent de la télécharger automatiquement. Il y en a qui ont bloqué l'ajout d'extension. Je ne sais pas si c'est le cas de vos centres de services. Moi, la Commission scolaire de la capitale, c'est débloqué. Fait qu'on peut vraiment facilement l'ajouter. Encore une fois, il faudrait vous partager le lien, Alexandre, super efficace. Le lien a été partagé. Vous pouvez cliquer sur le lien dans le chat, puis ça va vous amener à la leçon que les élèves verraient. Si je partage un travail, ça va vous demander d'installer l'extension. Donc, si vous êtes sur votre ordinateur de travail, ça se peut que vous ayez des embûches. Mais ça se peut que ça fonctionne. C'est là qu'on va savoir si votre CSS le permet ou non. Première chose à tester, est-ce que c'est accessible? Oui. Cette extension-là ne fonctionne pas sur les tablettes ou les cellulaires non plus. Il faut vraiment un ordinateur ou un Chromebook pour pouvoir l'utiliser. Mais ça permet de transformer n'importe quel site Internet que vous avez devant vos yeux en questionnaire. N'importe quel article de journaux, vous ajoutez des questions au travers. Puis pas seulement des questions. Centre des services scolaires de Montréal, ça fonctionne super. Mm-hmm. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste des questions non plus. On peut ajouter des espaces de dialogue. Puis les élèves voient les réponses des autres élèves. Donc, pour ça, je pourrais vous partager mon écran pour vous montrer pour ceux qui n'ont pas accès. Donc là, ici, j'ai n'importe quel site Internet. Là, j'ai pris un article sur la suspension des comptes de Donald Trump, juste pour vous montrer l'exemple. Ici, je vais aller dans mon petit casse-tête d'extension Google et cliquer sur « Insert Learning ». Puis automatiquement, je vais pouvoir transformer la page que j'ai devant moi en travail pour les élèves. Fait que je pense que déjà, vous pouvez imaginer le potentiel d'utilisation en éthique avec l'actualité. On peut ajouter des commentaires, des petits post-it. Donc, ça permet de donner des explications supplémentaires. On peut même enregistrer une vidéo aussi pour faire des commentaires oraux aux élèves. Donc, en direct, on met notre vidéo. On peut ajouter des questions, puis donner un pointage, donc ça se corrige quand même très, très bien. Puis on peut poser des questions aussi qui sont vraiment liées aux compétences. Là, on peut aller leur demander de trouver des points de vue, d'identifier des repères. Selon les questions qu'on pose, on peut vraiment aller, je pense, déterminer la compétence de l'élève. Et quand je parlais d'espace de discussion, je vais en faire un juste ici pour vous montrer. Donc, les élèves, quand ils vont écrire une réponse, tout le monde va voir ce qui est écrit. Donc, ils peuvent se répondre et enchérir ce que les autres ont dit. Puis, si jamais vous avez un questionnaire comme ça de créer, puis que vous n'avez pas accès aux ordinateurs, bien, c'est possible de l'imprimer. C'est aussi possible, moi, je l'ai déjà fait en suppléance, là, je montrais comme ça mon « Insert Learning » au TBI devant tous les élèves, puis on répondait en groupe à l'oral, puis ça faisait super bien aussi comme petit dépanneur. Le seul hic, c'est qu'on a le droit à trois articles, non, c'est pas vrai, cinq leçons en même temps d'enregistrer sur notre Insert Learning. Des fois, il faut en supprimer pour en créer des nouvelles. Mais quand même,
5, c'est pas si mal. Ouais, c'est ça. Quand tu as fait 5 fois, tu as utilisé 5 fois cet outil-là à travers ton année. En tout cas, moi, je le connaissais pas. Puis j'aurais aimé ça de l'avoir à l'automne. Là. C'est Julie qui m'a parlé. Puis c'est vraiment cool. Alain, t'avais-tu une question? Écoute, moi, je suis sur le cul là, de voir ça. J'en reviens pas. Là. C'est incroyable. C'est impressionnant. Mais là, j'essaie de comprendre là, en même temps que vous m'expliquez ça. Là, je vois que moi, sur mon ordinateur, je peux ajouter des fonctions comme ça, des commentaires, des vidéos, je ne sais pas quoi, des questions pour les élèves qui peuvent répondre même directement. Mais là, je ne comprends pas comment eux vont avoir accès à ça. Là. Je ne vois pas le... Tu sais, moi, je le fais. Là. Moi, je suis sur mon ordinateur. Mais comment eux ont accès à ça, là? OK. Je te repartage mon écran. Oui, oui, c'est ça. Montre-le à tous. Je vais vous montrer ça directement. Là, une fois que moi, mon compte, ben, toutes mes questions sont créées là, puis que j'ai un beau travail, je peux l'assigner directement, mais là, je vais vous montrer le dashboard. C'est où le... Comment ça a l'air. Tu refaire le... Comment ouvrir ce menu-là? C'est les trois petits points? Ah oui, les trois petits points. Dans les trois petits points ici sur le côté, là, j'ai le menu qui apparaît. Vous pouvez le voir comme un élève, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez l'assigner aux élèves, le partager à d'autres profs. C'est aussi intéressant de pouvoir le partager. Si je fais assigner aux élèves directement, là, je peux avoir le lien, puis partager le lien ou le partager dans Teams ou dans Classroom. C'est vraiment adapté. Tu peux linker ton... Comment? Tu peux linker directement ton Classroom et ton Teams. Wow. Oui. Il faut juste, par exemple, créer une classe. Puis là, les participants vont devoir, comme vous, si vous avez cliqué sur le lien, on vous a demandé un code de classe qui était là, dans le Google Slide qui apparaissait. Je ne sais pas si tout le monde l'avait vu passer. Vous, si vous vouliez accéder au devoir, il fallait cliquer le R0NYTZ pour accéder au lien. Record. Et merci, ça m'éclaire un peu plus là. Donc, une fois que tout ça s'est créé, je vais quand même vous montrer le dashboard. Je peux l'assigner par là aussi et aller voir mes classes, en créer des nouvelles. Donc, le code peut appartenir à un seul groupe d'élèves. Moi, souvent, pour un niveau, là, secondaire 3, par exemple, je n'avais pas d'éthique en secondaire 3, là, mais j'avais PPO cette année, bien, il y avait une classe pour tous mes secondaires 3. Mais ça faisait en sorte que dans mes dialogues, les zones d'échange, on voyait les réponses des autres groupes aussi. Mais moi, ça m'allait. Je voulais qu'on voit les réponses des autres groupes. Puis, il y a la section des notes. Si, par exemple, je sélectionne... Je vais avoir les réponses de tout le monde d'entrée. Je rentre les notes directement. Ça permet de voir toutes les réponses aux mêmes questions, une à la suite de l'autre. Ça peut faciliter la correction et être assez rapide. Est-ce que ça répond à vos questions? Oui, merci. Okay. Dans le fond, moi, je vais vous parler d'un autre outil que moi, j'affectionne particulièrement, entre autres parce que j'ai enseigné en accueil, mais aussi pour... offrir finalement d'autres modalités de travaux aux élèves, c'est particulièrement intéressant. Ça s'appelle Flipgrid, c'est un genre d'Instagram finalement éducatif. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. En fait, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Là, c'est que je n'avais pas prévu que la petite barre est cacherait. En fait, là, comment ça fonctionne, c'est qu'on va créer un devoir. Et les étudiants vont enregistrer leur réponse. Ça va toujours être une réponse vidéo. C'est facile à utiliser, particulièrement avec les cellulaires. Mais vraiment, un des gros avantages, c'est par rapport à ce qu'Alexandre disait au début. T'sais, c'est intéressant, puis c'est important de modéliser aux élèves qu'est-ce qu'on veut, d'être capable des fois de leur donner un exemple. Et finalement, d'expliquer clairement qu'est-ce qu'on veut qu'ils fassent. Donc, Flipgrid, ça donne au lieu d'avoir un support papier avec des consignes, ça va vous permettre facilement, mettons, si ça vous intéresse après ou pendant, peut-être pas pendant parce que vous n'écoutez plus, mais j'ai fait comme un exemple finalement où j'ai écrit les consignes d'un travail, je donne les explications dans une vidéo, puis là, j'ai écrit exemple de modélisation, je ne vous recommande peut-être pas ça avec des élèves. Mais tu fais un exemple où tu vas montrer à quoi tu t'attends, c'est quoi les points importants finalement que tu veux que tes élèves fassent. Donc ça va aussi beaucoup en aider pour qui
SCR, ce n'est pas particulièrement clair, ils ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'on fait. Donc, ça va leur donner comme les aider à avoir une image structurée. Flipgrid, on le recommande particulièrement pour pratiquer le dialogue, mais ça peut être pour toutes les compétences. Et ça va quand même faciliter aussi la prise de parole de vos élèves un peu plus gênés, puis son écoute aussi. Après ça, il y a plusieurs options. Aussi, en fait, un des gros avantages, là, avant que j'oublie, c'est que vous allez aussi vous faciliter la gestion du temps. Parce que là, les élèves sont minutés et ils n'ont pas le droit de dépenser. Ça va faire une rétroaction quand même facile. Je peux vous montrer aussi à quoi ça ressemble. Le dashboard. Je pense que tu ne partages pas ton écran, Jérôme. Ça, c'est ou c'est juste moi? Non, c'était correct, on le voyait. Ah, ça marchait sous le voyait. Donc, mettons, là, vous voyez comme la première en bas, c'est celle que Flipgrid vous fait par défaut. Mais par contre, vous pouvez en faire une, puis vous pouvez en faire une pour chaque classe. C'est sûr, ça va prendre un peu de temps. Puis aussi, vous pouvez la cacher. Vous pouvez les geler s'il y a des dates de remise. Donc, il y a quand même une certaine flexibilité. Donc, moi, c'est Flipgrid. Je suis celui qui a des fans dans l'équipe, là, mais moi, je la trouve particulièrement intéressante. Une autre qu'on voulait vous montrer. Je peux s'ajouter un truc pour Flipgrid? Ouais. Oui. Ben, puis, si vous avez des questions, levez la main ou ouvrez vos micros. Dans le fond, moi, ce que j'aime de Flipgrid, c'est l'idée que j'arrête de prendre autant de périodes à faire des présentations orales. Retrouver du temps de comme là, on peut faire la présentation sur Flipgrid. Je vais aller pouvoir la réécouter quand ça va m'a donné, mais juste la gestion le temps d'échanger les équipes, c'est tellement long, les présentations orales. On n'a pas de temps, là, c'est rare souvent. Fait que moi, je trouve que c'est un gros plus. Là, moi, c'est le même choix d'utiliser. Oui, ça se facilite vraiment. Puis comme Insert Learning, ça se crée un devoir automatiquement dans Teams ou dans Google Classroom, vous avez l'option. Ce qui est quand même facilitant en termes de temps. C'est ça qui était le fun cette année. Il y a tellement d'applications qui ont mis de l'intégration aux plateformes. Ils ont vraiment travaillé là-dessus parce que tout le monde a basculé. Fait que maintenant, à peu près toutes les plateformes, les applications éducatives, tu peux lier directement avec ton Meet et ton Teams. Là, fait que ça facilite les affaires. Et pour Flipgrid, oui, c'est en anglais. Mais sauf que c'est fait pour être tellement accessible là, que quand on se connecte, là, l'élève, il y a comme juste un gros bouton vert. Il n'y a aucun doute de où cliquer pour enregistrer sa vidéo. C'est vraiment bien fait. Puis il va aussi, moi, je ne l'ai pas fait, là, mais il peut personnaliser avec des filtres, avec des émoticônes. Ça rajoute un côté un peu plus ludique pour les élèves. Puis des fois, ça va leur permettre de personnaliser finalement leur vidéo plus qu'une présentation orale en classe jusqu'à un certain point. En parlant de juste vu qu'on parlait d'anglais, là, la prochaine qui va vous parler, Jérôme, ou Clap, là, je trouve que c'est le gros avantage de celle-là, c'est que c'est développé en Belgique. Donc, ça a été pensé pour l'éducation, puis c'est en français. De base, en fond, il est disponible aussi en anglais, là, mais bref, celle-là est vraiment en français. Oui. WooClap, là, en fait, Alex m'a devancé. Le gros avantage, c'est que c'est gratuit. Puis c'est, en fait, un des gros avantages, c'est que c'est gratuit. Vous pouvez vous créer votre compte. Là, vous allez avoir un compte comme essai. Mais dès que vous mettez, disiez que vous travaillez dans une école primaire et secondaire, eux, finalement, avec un certain temps, ils vont vous débloquer le compte illimité. C'est vraiment, vraiment pratique. Surtout, par contre, c'est sûr, ça prend des outils technologiques en classe. C'est aussi possible de l'intégrer dans les présentations. Par exemple, directement dans PowerPoint ou directement dans Slide. C'est sûr qu'il faut les tester avant. Des fois, il peut y avoir des bugs, mais moi, je l'ai souvent utilisé directement dans mon slide. Puis comme disait Julie pour être puzzle, moi, je me l'écrivais. Des fois, je m'anticipais. Fait que là, j'écrivais WooClap sur la prochaine. Puis là, je savais qu'il y avait un temps pour répondre aux questions. Donc, c'est des questionnaires interactifs. Puis à peu près, il y a 20 types de questions possibles. Finalement, sur WooClap, là, ça va de questions à choix multiples, sondage, questions ouvertes, nuages de mots, trouver une image, un script audio, puis là, ils doivent trouver le mot manquant. C'est vraiment, vraiment varié. Là, je vous ai mis juste un extrait. Alexandre, Julie, as-tu quelque chose que vous voulez rajouter sur WooClap? Ben, si vous permettez les cellulaires en classe, les tablettes, là, ça, parce que moi, je sais que je suis avec les plus grands, 4-5, fait que tu pars le quiz, tu veux avoir le pouls de la classe là, rapidement ou un nuage de mots, tu ne veux pas perdre trop de temps, s'intégrer direct. Ils sortent leur sel, ils répondent. Puis,
dans les dernières années, dans le fond, on a utilisé quand même 3, 4, 5 types de quiz différents, de plateformes, de Mentimeter, de ce monde, qui sont souvent pensés pour le plus corporate, là, qui ne sont pas pensés éducation. Fait que là, c'est d'en avoir une cette année qui est en français, qui est pensée pour l'éducation, qui est gratuite pour primaire, secondaire. Fait que là, moi, j'ai laissé tomber les autres. Dans le fond, je ne me tourne que vers Google. Et en fait, pour on va vous la faire tester. Un des avantages aussi, c'est que tu peux te connecter seulement avec le code QR ou avec ou simplement un lien. Je ne sais pas si Julie ou Alexandre, vous pouvez l'écrire dans le chat. Puis, ça va permettre aussi, contrairement, aussi, moi, je trouve là, le gros avantage sur Kahoot, c'est que ça va vous permettre des questions plus complexes que les questions à choix multiples, même si c'est utile. T'sais, pour vous montrer le genre d'exemple de questions qu'on peut poser à vos élèves. Ah oui, Alex, voulais-tu montrer? Ah, je voulais juste montrer que, surtout que le prof le change, ça change direct sur les appareils comme instantanément. Ah, OK. je voyais juste ton sel rouge, un gros écran rouge. Donc, c'est le prof aussi qui décide. Là, moi, j'explorerai pas ça avec vous à soir, mais il y a moyen de faire des cours autonomes aussi que les élèves répondent à leur rythme. Mais il y a quelqu'un qui est perdu. Par contre, la seule chose, c'est que je ne sais pas qui est perdu, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui a de la misère à suivre. Donc, là, finalement, l'exercice, un peu en conclusion de la formation, c'est de vous demander des idées d'activités que vous aimeriez faire avec les applications qu'on vous a présentées. Puis sinon, il y a même une section... oups, je m'excuse. Il y a même une section « Autres » pour s'il y en a qui ont des applications coup de cœur. Puis comme on disait, c'est un espace de partage pour cette formation-là. S'il y en a qu'on n'a pas nommé, mais que vous dites « j'enseignerai plus jamais avant sans ça », sentez-vous à l'aise. Là, la dernière fois qu'on l'a fait, il y a quelqu'un qui nous a présenté ClassKick qui ne jurait plus que par ça. Oui, puis c'est ça. Puis après, on aimerait ça quand même que vous laissiez vous répondiez, mais après ça, on peut... On va vous parler, puis on va entendre vos coups de cœur, puis comment ça s'est passé pour vous. Puis... Je vous rappelle que là, c'est anonyme, fait qu'hésitez pas, si jamais vous avez commis des flashs d'idées, bien, ça peut vraiment en inspirer d'autres là, pendant que vous avez entendu parler des applications. Soyez pas gênés. Quelqu'un qui souligne le choix difficile, là, je ne l'ai pas activé, mais on peut liker aussi les réponses. Puis comme enseignant, mais finalement, ça a l'air d'être activé. Puis comme enseignant aussi, moi, je peux décider d'échanger. Fait que par exemple, on fait un brainstorm, puis je dis le halo, c'est une bonne intuition, mais ça devrait aller dans Ed Puzzle plus. Ben, je peux le changer de place. Par exemple, si on fait la démarche de réflexion éthique, puis il y a quelqu'un qui met une valeur dans le qui, ben, je peux dire la liberté, c'est peut-être pas quelqu'un, donc le déplacer facilement là-dedans. Ah, quelqu'un qui dit enfin à insert. Oups, je m'excuse. Quelqu'un qui dit enfin à insert learning. Là, il y en a peut-être qui vont être vraiment bloqués par le fait qu'ils ne peuvent pas télécharger l'extension insert learning, mais vous pouvez faire la demande à votre centre de service. C'est vraiment pas compliqué pour eux. Il faut avoir un délai, on connaît nos centres de service, mais ça se fait. Faites-le ce soir, lors demain matin. Mais tu sais, c'est surtout que moi, je ne la connaissais pas en tout cas, mais il doit y avoir plein de profs qui ne la connaissent pas non plus. T'sais, je veux dire, c'est pas juste en éthique, là. Ce truc-là, ça peut servir à tous les profs. Là, fait que voilà. Ça, tous ensemble, t'sais, on va faire débloquer. Si vous enseignez, mettons, au secondaire 1 puis 2, des fois, on peut vouloir leur faire lire des textes directement à la source. Mais ça peut être difficile de leur partager des plus longs articles, mais là, ça le morcelle pour eux. Ça va vous permettre, de finalement, leur donnant plus de support, de donner des textes plus complexes, plus riches. Donc, vous pouvez continuer de répondre à votre rythme là, pour ceux qui veulent. En fait, là, ça va rester, à moins que je l'efface, mais ce ne sera pas aujourd'hui. Moi, ça complétait. Alain pose une bonne question. Est-ce qu'il y a une version qui n'est pas anonyme? Oui, dans WooClap, là, pour le contexte de la formation avec vous, là, moi, je ne le fais pas, mais il y a une version qui n'est pas anonyme. Tu peux exiger que les gens s'identifient, puis tu peux contrôler aussi qui peut s'inscrire. En fait, cette version-là est quand même plus riche parce que ça va te permettre de savoir tes élèves, ça va compiler leurs résultats.
Donc, tu sais, mettons, tu fais souvent des questions en choix de réponse comme révision au début de ton cours. Bien, tu vas, en les forçant à s'identifier, tu vas pouvoir le savoir aussi c'est qui à chaque début de cours, finalement, il y a zéro. L'avantage par rapport à Kahoot aussi, c'est que ceux qui ont zéro, c'est pas montré à tout le monde qu'ils ont, ils ont le pire score. C'est sûr, quand tu gagnes, c'est le fun, Kahoot, mais quand tu perds, c'est moins drôle. Donc, il y a ça aussi que ça permet de garder les traces, finalement, tu sais, au clap. Est-ce que d'autres questions pour ces applications-là avant qu'on ouvre, avant qu'on jase? Parce qu'on pourrait peut-être, sinon, Jérôme, éteindre l'enregistrement. Oui. Tout le monde peut ouvrir ses caméras.